Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Shut Eyes. Donc un petit jeu Steam qui est pas bien cher. Je crois que le principe c'est qu'il faut survivre à la nuit un peu à la FNAF. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, j'en sais pas plus. En tout cas le menu est assez sympa. Avec ce petit Teddy, oh Teddy qui a un gros pansement sur l'œil et tu se frottes le nez. Donc voilà, rejoignons notre petit Teddy. Dans ce merveilleux cauchemar. Play the tutorial. Écoute, dans le doute, oui. Oh. Ce modèle 3D de Teddy avec des espèces de pièges à loups sur lui. Playtime in 4 heures. Quoi? Oula, 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 oula. Anxiété? Anxiété? What the fuck? Alors, attendez. Check top bed. Oula, putain, il y a trop de trucs. Donc là, je mets en route une boîte à musique. Et là, je la cache. Enfin, je la remonte. Ok. Alors, attendez, est-ce que je peux changer les contrôles? Ouais, nickel. Oh! Ok. Là, j'ai regardé au-dessus du lit. Là, je vais dans mon lit. Là, je sors, ça a l'air compliqué. Ah, voilà, voilà, oui, c'est mieux quand j'allume la flashlight, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends déjà rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui? Il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Peut-être que je remette la boîte à musique, attendez. J'ai loupé un screamer? Je comprends rien du tout. Ah mais il y a un Teddy qui bouge là-bas. En fait on va se faire agresser par des Teddy. Ça va être génial, vous allez voir. Regardez, il y a un Teddy là-bas qui bouge. Alors, est-ce que c'est lui le méchant? Je comprends rien, les gens. C'est génial. Ah, faut que je la remonte. Je remonte la boîte à musique. Là-bas, il y a un truc qui s'ouvre. Je comprends tellement rien, les gens. Oh là là, mais... Oh, attendez, j'avais pas vu que... Oui. D'accord. Non mais je le vois, hein. Je me barre. Je me barre, je m'en fous de toi. Tu ne m'intéresses pas. Bah il est juste face à moi en fait. Mais j'ai déjà plus de lampe. Ok, il est parti. Je ne comprends rien. Allons voir en dessous. Il y a un vieux bruit dégueulasse. Ah, j'ai plus de flashlight. Oh, mais je suis dans la merde. Écoutons la petite musique. Mais et comment je fais? Mon anxiété qui bouge dans tous les sens. Ah, je le vois, il est là-bas. Il est là. Ça va, si c'est le petit Teddy... Teddy veut nous tuer une fois de plus. Il veut se venger pour les machines for pig. C'est l'histoire qui date maintenant. Ah, 7 heures. Donc ouais, voilà, c'est un petit Five Night. Sauf que j'ai rien pigé. Best friend. Playtime in 5 heures. Succès de verrouillé, privat tutoriel. Ah, il était là-bas. Il est là-bas, hein, je t'ai dit. Hein. Tout va bien là, non? Ah, mon anxiété monte. Du coup, pour me calmer, il faut que j'écoute la boîte à musique. Je pense que c'est ça, non? Teddy qui essaye de me tuer pour toutes les choses affreuses que j'ai pu lui faire subir. C'est la vengeance de Teddy, putain, les gens. Ok. Le jeu est pas trop moche. En tout cas.
Il n'y a rien en dessous de mon lit. Mais c'est bizarre parce que... On dirait Teddy Fee en fait qui est dans mon placard. Ah non, il est là-bas l'autre. Ah, le méchant est là-bas, je pense. Le bat de Teddy est là-bas. Ok, j'ai juste pas compris à quoi servait la boîte à musique. Ah, il est là, il est là, il est avancé. Ah, il se cache. Ah. Ok. Il se cache quand je l'éclaire, je crois, non? Non, même pas. Ah putain. Je me suis un peu jeté dessus et du coup je suis montée en dessous, au-dessus du lit en mode non. Je ne veux pas t'avoir. Putain. Teddy m'a tué. Merde. J'ai rien compris. Il est toujours là-bas. Bah écoutez, s'il est là, moi je bouge pas. Hein. Il a pas bougé, il est toujours là. Hein. Ouais. Ah 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 ah. Ah mais non, il y en a deux en fait, d'accord. Je t'éclaire, je t'éclaire. Putain. Ah, faut gérer son anxiété. For sure, there's not here. Ouais, d'accord. Le jeu qui me troll un peu. Et merde, je voulais pas refaire ça. Et du coup, mettre la boîte à musique dès qu'il s'approche. Genre pour essayer de me calmer ou je sais pas quoi. Oh, mais il est juste là! Ça va pas marcher, il est toujours là! Il est toujours là! Il est toujours là. C'est compliqué parce qu'ils expliquent pas en fait vraiment le jeu. Oh, merde. Ah c'est bon, il est parti, il est parti. Donc c'est bel et bien ça qu'il faut faire en fait. Dès qu'il s'approche... Non, non, je la mets. Boîte à musique. Ah caca. J'ai usé tout, toute ma flashlight comme une grosse débile. Oh, il est juste devant, il est juste devant, vite! Vite! Et il est toujours juste devant! Problème! Kristen, nous avons un problème! Je vais mettre la boîte en boucle jusqu'à 7h! Je vais crever, hein! Il est là, il est là. Il s'approche de plus en plus, ma technique ne marche pas des masses. Il est toujours là, on le voit sur le côté là. Ah, il est parti, il est parti, il est parti. Donc c'est ça en fait qu'il faut faire, je pense. Par contre, j'ai plus de flashlight et du coup, c'est un peu la merde. Vite, 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 vite. Je sais pas où il est. Ok. Oh, ok, lui il est parti. Bon, là ce qui est pas cool c'est que... Je sais pas où ils sont. Je sais pas du tout où ils sont. Il n'est pas en dessous du lit. Ok, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas boîte à musique. Je suis intouchable. Ok, il est toujours là. Et lui est sorti. Très bien.
Boîte à musique. Mais j'aimerais bien réussir à terminer cette nuit au moins. Il est où? Il s'est rapproché. Il s'est rapproché. Et là, si je crève, je comprends pas bien. Ok, il est parti. Allons regarder au-dessus du lit, j'ai plus de... Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de flashlight. Boîte à musique. Non, je veux pas mourir. S'il vous plaît. Teddy, barre-toi. Pitié. C'est bon, c'est 7 heures là, non? Oui. Eh, c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident. Allez, on s'en fait une autre. Hide and seek. A friend is need is the friend indeed. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense. Mais non, mais j'avais la boîte à musique. Je comprends pas qu'il puisse avancer quand j'ai la boîte à musique. Je ne comprends pas. Au cas où. Ah, il y en a un qui a bougé là. Teddy bordel. Tu fais chier. Pourquoi ce bruit? Il est retourné derrière la fenêtre. Eh ben tout va bien. Il a arrêté de me faire peur pour rien là. C'est quelle heure? Et je veux sortir cette maison. Ça va, on s'en sort. Écoutez, on va en faire une toute dernière. 13S. Playtime in scissors. I wanna go home. I don't like this. Ah, en fait, ouais, ça recule. Ça recule d'une heure à chaque fois, en fait. Faut que j'aille une heure de plus à chaque fois, je pense. Je crois. Il n'est pas parti. Très bien. Comme quoi, mon truc, ça marche pas du tout. Ouh. L'autre qui s'amuse avec la porte du placard. Tout va bien. Oh. Regarde avec ses grands yeux de panda, j'aime pas trop ça. Allez, plus que 2 heures. C'est chiant, c'est que vu qu'il est en dessous, on sait pas trop ce qu'il fout. Bon, Dominique. J'ai attendu le dernier moment, c'était parfait. Et 7 heures. En fait, finalement, quand on a compris comment ça marchait, c'est beaucoup moins compliqué. On va peut-être s'arrêter là. Je sais pas combien... combien il y a de nuits en tout. Mais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous me direz si vous voulez un deuxième épisode sur ce jeu ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.